Mr. Jadot, for 1 minute. Oui, le chantage du gouvernement italien est inhumain et profondément choquant, en plus d'être illégal. Mais le gouvernement italien n'est pas arrivé au pouvoir par effraction. Le monstre Salvini n'est pas là par effraction. C'est l'absence de solidarité de l'Union européenne dans l'accueil des 700 000 réfugiés. C'est la lâcheté des dirigeants européens. Ce sont les égoïsmes nationaux qui ont nourri la bête. C'est la lâcheté des dirigeants européens quand ils délèguent nos obligations en matière d'accueil au dictateur Erdogan. C'est la lâcheté des dirigeants européens aux mains pleines de sang quand ils livrent les réfugiés aux bandes armées libyennes en fermant les yeux sur les viols, sur les meurtres, sur les violences. C'est le cynisme et l'irresponsabilité du président Macron quand il maintient une frontière de fer contre les réfugiés à la frontière italienne. Alors le Parlement européen a montré l'exemple. Cassons Dublin, accueillons collectivement les réfugiés et que les dirigeants européens sortent la tête du sable pour nous écouter. Thank you, Mr. Urban Crespo, for 1 minute.